Camille Santoro a partagé une nouvelle story sur son compte Instagram ce mercredi 21 décembre 2022. La candidate de famille nombreuse est actuellement en vacances à New York et a dû faire face à une grosse galère avec sa tribu. Camille Santoro a pris des vacances bien méritées. La candidate de famille nombreuse, la vie en XXL, a décidé de prendre quelques jours de repos après une année bien tourmentée. En effet, le 21 novembre dernier, elle s'emparait de son compte Instagram pour annoncer que son mari Nicolas avait été hospitalisé d'urgence après une grave blessure alors qu'il participait à un match de foot. Nico est blessé. Fin de saison et direction les urgences, dans l'espoir que ce ne soit pas une fracture. Ça n'a pas été du tout facile ce matin. Nico a pas mal mal. Vous savez ce que c'est un homme qui a mal. Mais évidemment, cette blessure a tout remis en question pour cette énorme tribu de 6 enfants. Je n'avais pas imaginé ma semaine avec un mari qui ne peut pas marcher. Donc j'ai réorganisé un peu tout ça. Je suis allé faire des courses, surtout qu'à partir de mercredi soir, jusqu'à dimanche soir, je serai indisponible, car il y a le salon du créateur et je dois aller à Lille, avait déclaré la mère de famille, désespérée. J'ai le cœur gros, une blessure qui leur a malgré tout permis de s'envoler pour New York pour les fêtes de fin d'année. Un voyage familial qui avait suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux de la part d'internautes qui ne comprennent pas comment deux personnes sans salaire peuvent s'offrir un voyage pareil, à l'heure où New York est l'une des villes les plus chères. Quelle chance! On a regardé pour y aller avec nos 5 enfants et c'est un bon billet de 20 000 euros, sans compter le logement. Si vous avez un bon plan, vive les influenceuses, quel budget pour New York, un voyage très onéreux, mais bon. Sans salaire tous les deux, vous allez à New York, donnez-moi la recette, pouvait-on lire. Mais contre toute attente, tout ne se passe comme prévu pour la petite famille. Sur son compte Instagram ce mercredi 21 décembre 2022, la candidate de famille nombreuse a expliqué la déconvenue à laquelle ils doivent faire face alors qu'ils viennent tout juste d'atterrir. La compagnie a perdu la poussette double des jumeaux, qui l'ont depuis qu'ils sont tout petits. En plus, j'y suis trop attaché et je suis dégoûté. D'après moi, il y a eu un couac entre l'avion de Londres et celui de New York. Enfin, je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, la poussette a disparu, j'ai le cœur gros parce que si est-ce qu'il leur poussette de bébé. La poussette va-t-elle être retrouvée? Affaire à suivre.